Ça, c'est un convoi exceptionnel étranger, ça. Ah, hier, j'étais complètement saturé de QRM. Hier, eh ben, c'était plus que ça. Oh oui, le double. Mais avec le filtre d'enclenché. À des jours comme ça. Et là aujourd'hui, bon maintenant heureusement qu'il y a le filtre. Ouais, ça fait de la mitraillette. Ça module, ça module, ça module. Mais c'est loin de chez moi quand même. Je veux pas les embêter. Ah, c'est dommage. De toute façon, pour vivre heureux, vivons cachés. Hein. Il suffit, devant les forces de l'ordre, de pas faire l'andouille avec le micro à la main, et puis c'est bon. Hein. Faut être un peu rusé, quoi. On arrive à l'entendre un peu. En tout cas, ça module, ça module, ça module. Ben, ils ont raison. Bon alors, du côté des routiers, il y a des grèves qui... il y a des bruits qui courent sur des grèves qui pourraient y avoir en France. Est-ce que vous allez tous vous équiper Sibi? Faut pas oublier que la Sibi, c'est quand même le seul truc qui échappe à tout contrôle hein, dans, au niveau de ce qui est dit. On peut pas censurer quelqu'un qui parle. On peut pas supprimer quelqu'un qui parle. Comme ça se fait sur Internet au niveau des messages. Et oui, du côté Internet.
C'est facile de supprimer un message ou de modifier un commentaire. Il y en a qui sont très forts pour ça. Allez, sans citer de nom, l'administration, les médias. Alors que sur la CIBI, l'info, elle est brute de décoffrage. Alors donc, oui, pendant les grèves, c'est sûr que s'ils veulent que les infos soient bien passées, il n'y a pas de 50 solutions. La CIBI. Il suffit de voir là, dernièrement au Canada comment ce qu'ils ont fait. Ben, c'est exactement ça. Ah, on l'a à nouveau perdu, l'autre, son copain. Oh, la modulation est dégueulasse. Oh, il y a quelque chose là. On va le trouver. Je suis du Smurf. Ensuite, c'est parti. Ah. Bon, tant pis. Maintenant, si j'entends pas plus de monde, je suis à 50 km de Bordeaux aussi. Hein. Enfin, de Bordeaux et sa banlieue. Ah, mais il y a quelqu'un là. C'est pour ça que je module bien souvent davantage en voiture. Vous voyez un petit peu. Du local. Alors perso, et surtout pour que les nouveaux qui arrivent dessus voient qu'il y a du monde, les QSO locaux, vaut mieux les faire du côté des 40 canaux. Hein. Bon, le signal qui a monté là. Oui. C'est quand même plus sympa pour les nouveaux qui arrivent. Hein. De faire les QSO de ce côté-ci. Et oui, un nouveau ou un ancien qui revient en fréquence, il ne s'achète pas directement d'entrée un décamétrique. Hein. Il s'achète un petit poste, il voit s'il y a du monde, ça lui plaît, il reste, par la suite il s'équipe en plus gros, ça lui plaît pas, il revend tout. Et c'est ce qui se passe justement en ce moment quand on regarde sur des sites d'annonces, un truc comme ça. Quand on voit du matériel tout neuf revendu comme ça en occasion, c'est que la personne n'a pas trouvé au moment où il était en fréquence du monde. C'est pour ça qu'il est important au niveau QSO locaux d'être du côté des 40 canaux. Et ça permet en même temps de laisser le vrai les canaux sup.
qui eux généralement sont utilisés qu'en BLU, au vrai DX. Parce qu'il faut bien comprendre que quand pour nous la propague n'est pas là et que les stations font des QSO locaux en DX, ben, d'autres peuvent nous entendre car de la propague sera de leur côté et pas du nôtre. Hein. Donc c'est les autres que ça fait que ça. Allez, je vais essayer de rester poli, que ça embête, que ça dérange. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, vaut mieux faire les QSO de ce côté-ci, là, sur la plage 26. Allez, pour parler en fréquence, 26 965, canal 1. 27 405, canal 40. Il y a de la place hein, sur tout ça, et puis rien n'impose d'être obligatoirement qu'en AM sur les 40 canaux. Hein. C'est, tous les modes sont permis. Hein. On les a sur la CB, on y a droit, autant les utiliser. Tiens, comme par exemple, là, 27 325, 325, c'est le canal 32, ben oui. Là, canal 32, je me suis mis en USB. Eh bien, c'est la fréquence moniteur du groupe DX Kilomag. Si je me mets là, là ici, eh bien, c'est la fréquence d'appel DX des États-Unis et Canada. Voilà. Donc, il y a plein de trucs intéressants à faire de ce côté-ci. Vous avez entendu ça? Il y a quelque chose là dans le coin. Oui, quand je dis qu'il y a. Il y a quelque chose, il y a toujours quelque chose d'intéressant à faire là du côté des 40 canaux. Je dirais même que c'est peut-être plus varié du côté des 40 canaux, parce que bon, ben, c'est dans tous les modes, plutôt qu'en sup. Hein. En sup, si on regarde bien l'utilisation qui est faite en France, c'est monomode. C'est-à-dire que les gens sont uniquement qu'en USB et c'est tout. Là, il n'y a pas grande variété en fin de compte. Hein. Sur les modes, il y a. Même si je crache pas dessus du tout, hein, loin de là. Parce que c'est toujours très intéressant de faire des contacts lointains et tout ce qui s'en suit, à condition de pouvoir faire un peu de QSO quand même avec les stations. Et non pas la course au contact. Et de ce côté-ci, on s'aperçoit qu'il y a plus. C'est plus varié. Aller à la pêche est vraiment le mot bien approprié, là, bien choisi pour cette partie-là. Ah d'accord, ils sont là, eux. Ils sont autour de ça. Bon, je reconnais pas le pays, mais vu l'accent, on dirait les pays de l'Est. Est-ce que c'est la propague? Est-ce que c'est des gens de passage en France?
Parce que ça peut être aussi la propagande, hein, parce que c'est vrai que si généralement la M est privilégiée pour les QSO locaux, si on regarde dans d'autres vidéos, on s'aperçoit que, par exemple, quand on vient ici et que la propagande est du côté des États-Unis, je sais qu'il m'arrive qu'il y en ait il m'arrive d'avoir des Américains qui m'arrivent à 9 plus 20 quand même, hein, en AM. De toute façon, avec la propague, et peu importe le mode, la propague est un véritable amplificateur. Hein, et c'est le meilleur qui soit. J'ai entendu quelque chose là, par là. Ouais, ça a crachoté aussi là. Wow. Bon, ça mijote de ce côté-là. Bon, il passe certains petits effets, mais il y en a d'autres, c'est abusé, quoi. Comment je le sentais qu'il y avait du monde de ce côté-ci. Une modulation dégueulasse. Ah ouais, c'est ce que je fais moi en permanence. Bon, ça m'arrive comme tout le monde d'avoir des survitesses, mais si je peux éviter, je regarde bien le compteur pour voir la vitesse à laquelle je suis. Et quand je suis dans une descente, le ralentisseur en principe, il est pas loin d'être enclenché pour justement éviter de dépasser. Bon, ça arrive, hein, de dépasser, même au côté du ralentisseur, ça arrive de dépasser. Mais tu vas monter à quoi, 92, 95, mais bon, ça redescend aussitôt, quand dès que tu es à la plateforme, tu redescends, et le taxi n'a pas le temps de t'afficher la survitesse. Hein, parce que je pense que c'est compté pendant une minute. Deux fois, il t'affiche attention sur vitesse et après il t'affiche uniquement sur vitesse. Donc c'est-à-dire que tu n'as pas vu le attention sur vitesse et que tu as continué à rouler au-dessus de la vitesse maximale. C'est curieux le système. Alors sur les voitures, ça s'appelle comment déjà? C'est limiteur de vitesse ou régulateur de vitesse? Enfin bon, bref, ce qui est sûr, c'est que ça empêche d'aller au-dessus de la vitesse qu'on a sélectionnée. Peut-être un petit peu plus que 3, 5 ou 6 ou une dizaine, mais chaque fois c'est attention sur vitesse, et chaque fois que ça me l'a affiché, j'ai coupé, j'ai freiné, j'ai ralenti, et j'ai jamais eu de survitesse enregistrée en permanence, quoi. J'ai fait gaffe à ça, dès que ça s'affiche, attention sur vitesse, hop, je calme le jeu. Je ne vais pas attendre qu'il y ait affiché juste sur vitesse. Non, la première alerte, je coupe tout. Hein. Combien il te reste à rouler? Un quart d'heure, 20 minutes? Ah ouais, ça te laisse passer Castillon. Ah ben, est-ce qu'elle s'est arrêtée sur le parking là-bas à côté de la du Pharma, à droite? Je ne sais pas encore.
la motoculture François qui est à gauche. Le parking à droite là, dans la zone, elle est, enfin, avant de rentrer dans la zone, on peut s'arrêter là. Ou alors, si on a le temps, on peut voir le parking à la carrière des filières à la droite. On entend quelque chose là. C'est caché là-dedans. Ouais, il y a quelque chose de caché là-dedans. Et tant pis. Un peu de propagande. C'est un peu partout, hein. Ouais, c'est un peu partout là qu'on sent que ça mijote. Hein. Oh, ça module. Ah ben zut, ça module plus, hein. Ah si. Vu l'accent, ils sont pas d'ici. Ça doit être des mille-pattes. Que l'autre, celui, ah ben si, celui avec le Roger Beep multibip, ça doit être, ah j'ai oublié son, comment il s'appelle, bon bref, il est peut-être sur le forum, et il est à coup sûr sur Facebook, ouais, je reconnais ce Roger Beep. Il est arrivé en fin de vidéo, sur la précédente vidéo, pas la précédente, mais une autre avant. Où j'étais en QSO avec du monde également. Et 73-51 des stations de la part de Dandy 33.
Bon, là, il est clair qu'il y a du QRM de votre côté. Ça, j'arrive toujours pas à trouver où c'est ça. Ah. T'allais dire qu'il y en a qui disent que les 40 canaux sont silencieux. Pourtant, il y a du monde. Après, je suis pas le mieux placé, hein. Je suis dans une cuvette. Hein. J'ai une petite ville qui est à 20 km de chez moi, mais bon, les stations sont pas trop de ce côté-ci. Bordeaux, son agglomération à 50 km. Moi, dans une cuvette. Ce matin, on a réparé, merde, comment ça s'appelle, les fuites là qu'il y avait. Et après, on a lancé quoi? 20 minutes. Et le roulement de l'axe du satellite 14 a pété. Et faut pas se rêver, c'est du jeu, là, pour remettre les liens, il y a ça, hein. Où est cette cacophonie, là? Ah tiens, ça tombe bien ce blanc. On va faire des tours et des tours des canaux. On n'aura personne. Enfin, on n'entendra personne au moment précis où on passera. Pourtant, ils sont là. Puisqu'on les a entendus juste avant. Ceux-là, vu le canal. C'est... Tiens, une YL. C'est marrant comment on réagit dès qu'on entend une voix féminine. Eux, c'est des habitués. Hein. Ouais, c'est bien une voix féminine. Eux sont là toute l'année, hein, dessus. Hein. Ce matin, je m'attendais à voir les copains en fréquence, mais bon, ils ont dû rester coincés sous la couette. Ah, oups. C'est là où il est intéressant de connaître les habitudes des uns des autres, pour savoir où ils se trouvent. Enfin, surtout, eux, en ce qui les concerne, puisqu'ils utilisent la CB pour le travail sur la route, pour ne pas les déranger quand on fait un QSY.
Alors 27-225, alors j'ai une table de fréquence hein, à chaque fois là, à côté de moi. Ah c'est le canal 22, ouais c'est ça, c'est des habitués. Des habitués, bah, tout comme ceux qui sont sur le canal 15 du département 24. Alors il y en a qui sont sur le 16, le 17, alors là c'est du côté de la Charente, Charente et Charente-Maritime. Sur le 35, il y en a qui sont du côté de Bordeaux, Bordeaux-Blanquefort, de ce côté-là. Puis il y en a d'autres un peu partout. Alors, la plupart des convois exceptionnels sont en dessous, entre le 1 et le 19. Ouais, la majorité des convois exceptionnels sont entre le 1 et le 19, même si on en trouve quelques-uns au-dessus. Après, au niveau utilisation de la CB, entre, allez, on va dire, allez, à la louche, le 25 et le 40, il y a de l'activité en BLU. Ah, il avait qu'à avoir la CB celui-là. Ah, le truc qui est assez curieux au niveau BLU, c'est autant sur les SUP. C'est principalement que l'USB, l'uniforme Sierra Bravo qui est utilisé, alors que sur la partie haute des 40 cadeaux homologués, c'est plutôt l'LSB Lima Sierra Bravo qui est privilégié. Ben c'est ancré dans les habitudes comme ça depuis, on va dire toujours. Bon, on va les laisser travailler. Ah, je suis entre le canal 19 et canal 20. Voilà, oui, c'est de la propague. Wow. Bon. D'accord. Et petit tour là-haut. Ça aussi, c'est un truc que j'ai su remarquer. La propague est vachement du côté des 40 canaux et moins là. Bon, maintenant, en général, hein, la propague arrive du bas pour monter après en fréquence. Hein. Donc si elle est en bas comme ça, elle le sera tout à l'heure en haut. Enfin, du moins, ça espérait. je parierais sur la SSTV, je pense. Quoique, je me trompe peut-être, hein, j'y connais rien. Bon, de toute façon, ils sont sur les SUP, hein, ça dérange personne. Enfin, j'ai dit une connerie. J'ai reparlé là qu'il n'y a pas de règle établie hein, sur cette plage de fréquence-là. Contrairement aux 40 canaux homologués, où ben, ils sont homologués qu'en phonie, c'est tout.
D'un sens, c'est pas plus mal, parce que bon, moi, ça permet d'éviter d'avoir de la transmission comme ça, en plein QSO phonique. Parce que là, avec ce qu'on vient d'entendre à l'instant, du côté des 40 canaux, on s'en sort plus, là, pour le coup. Eh ben, c'est vraiment plat, là. Allez, 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 allez. Là, il y a quelque chose. À moins que ce soit... Alors normalement, je suis sur le 7009. Mais j'ai tellement de parasites dessus. Tiens, je me fous. Je vais enlever. Voilà. Là, ça devient vite compliqué. Là. Ah, on a entendu quelqu'un parler derrière, mais avec ça. C'est quel pays déjà qui sont en terminaison zéro? Croatie, non? Je sais plus. Ah, évidemment, ça lui stache deux canons. Eux, leurs postes sont homologués comme ça. Hein. Alors, c'est ceux qu'on voit avec les petits camions bâchés, là, venir en France. Hein. Oui, la station est 73-51 de Dundee 33, ça passe bien de mon côté, enfin ça passe bien, je t'entends bien. Ah, c'est un petit signal de 1, et pour la radio, c'est une radio 4, pardon, c'est une radio 4. Ouais, il y a pas mal de propag hein, aussi, hein, c'est un petit peu normal. Et encore là, ça s'est un petit peu calmé là, par rapport à ce que c'était là tout à l'heure. Hein. Là, tout à l'heure, enfin toute la matinée, là, il y avait des pays de l'Est, tout ça, là, qui passaient à fond là de ce côté-ci. Là, c'était quelque chose. Ok, c'est pas grave. De toute façon, vu l'heure, il est midi et quart, c'est l'heure du casse-croûte. On va aller chacun de ce côté au gastro, et on se dit à plus tard. Hachis trois coups. Hop, là je l'ai perdu. Hop. J'aurais bien proposé un QSY, mais si déjà il m'entend mal, comment je lui fais passer le QSY? Pas évident, hein? Bon, alors. Voyons. Je m'attendais à ce que ça monte un peu plus vite comme ça du côté des supérieurs.
Ah si, il y a quelque chose. Mais c'est assez QRP. C'est en train d'arriver. Bon, ben c'est là. Bon, rien de ce côté-là. Alors, ceux qui cherchent un poste, c'est pas du tout une obligation d'acheter un décamétrique, loin de là. Ça, c'est parce que j'aime bien aller écouter sur les bandes basses radio amateurs. Ouais, donc, je suis également SWL. Alors, indicatif Foxtrot 5240 SWL. Voilà. Et voilà pourquoi ça me permet de cumuler deux postes en un, là, pour le coup. Et par contre, le truc qui est intéressant, c'est vraiment d'avoir un poste multimode. Ah ça oui. Comme je le fais, vous pouvez jongler comme ça d'un mode à l'autre. C'est un peu comme celui qui va à la pêche. Il a une canne à pêche avec, avec plusieurs hameçons. Ouais, on peut dire ça comme ça en fin de compte. T'as une YL. Ah, donc, s'il y a vraiment une catégorie de postes à privilégier, c'est vraiment les postes multimodes. D'ailleurs, si vous allez sur le forum La Planète CB francophone, les membres sont bien tous d'accord avec ça. Il y a des sujets d'ouvert justement là-dessus. Et ils expliquent eux-mêmes pourquoi il est préférable d'avoir un poste multimode. Et poste multimode, hein, c'est le poste couteau suisse hein, en quelque sorte. Ah oui, non, ça c'est le truc de tout à l'heure. Ils sont du campé là, eux.
J'éteins. Oh la vache. Ah, je peux pas rester là.